bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. À l'affiche aujourd'hui, le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Hello Grégoire et hello à vous aussi chez vous. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. C'est parti. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je dirais peut-être Lucas Modric, l'excellent meneur de jeu croate. Il est très actif en attaque avec une vraie intelligence de jeu, mais il participe bien défensivement aussi. Oui, s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Une occasion! Oh, c'était dangereux, quel geste! C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Pogba. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Pogba. Oh, c'est sublime! On l'attendait dans ce match, forcément. Mais là, c'est un véritable régal pour les yeux. Oui, et tout le monde est prévenu. Attention, il est très en forme aujourd'hui. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Le Real Madrid, ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Il glisse le ballon en profondeur. Cavani! La transversale! Marcelo. Touche! Le Real Madrid qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Il écarte, il joue sur l'aile. Isco reçoit le ballon. Attention à ce centre. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Alors, que va-t-il faire? Oh, quelle frappe! Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne.
Il est parti en direction du but adverse. Ce ballon bien dosé. Il rejoue derrière lui. Il n'arrive pas à tirer. Oh, c'est chaud! Neymar en retrait. Modric qui cherche la faille. Ça peut partir en contre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Le Paris Saint-Germain. Il frappe au but. Encore un geste décisif du gardien. Ce sera le premier corner du match. Mais non, ça n'ira pas au bout. Et ça sort en touche. Bon, voici Cavani. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Il cherchait à imposer sa puissance, il est tombé sur un mur. Toni Kroos. On en restera là pour cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Le Paris Saint-Germain qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Oh, voici Isco. Neymar. Intéressant. Neymar, il est passé. Il va au duel. Ça manque un peu de solution. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. Isco. Oh, il a bien vu son coéquipier. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Marquinhos, qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Il va peut-être falloir lui parler, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. Oh, Benzema! Neymar. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, voici Pogba. Il écarte, il joue sur l'aile. Il est tout seul. Pogba! Repiqué dans l'axe, peut-être. Oh, quel geste! Pogba, et il adore provoquer son vis-à-vis. Il est plutôt pas mal dans cet exercice. Incroyable, c'est une véritable anguille. Il choisit là-bas, sur l'aile. Cristiano Ronaldo! Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Intervention pleine de détermination. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Daniel Carvajal. Oh, Benzema. Le jeu repart vers la droite. Et ce ballon sur l'aile. Il est bien monté. Pogba. Kurzawa. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Le Real Madrid va frapper le corner. De la tête! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Il prend quelques centimètres sur son adversaire direct et ça lui permet d'avoir une bonne occasion. Pogba. Qui est le premier sur ce ballon? Le bon jaillissement. Le Real Madrid va frapper le corner.
dégagé. Oh, Toni Kroos. C'est vraiment dommage, il lui manque toujours un petit quelque chose. Le Real Madrid qui effectue un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. La passe dans la profondeur. Faut que ça va partir vite. Oh, Benzema, ouverture vers le poteau de corner. Lucas Vázquez. Il faut centrer. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. On n'a pas vu du grand football, mais ils ont assuré l'essentiel. C'est le plus important. Chapeau à la défense quand même, qui a su conserver ce but d'avance. On s'est régalé d'Arren, vraiment, tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite. À très bientôt.